Gilles de Bertrand, qui est d'Argenteuil, et je vais vous adresser la parole. Merci. Merci, Jean. Et des gens, et des Patrice, et des gens comme vous, qui en font, et il y en a des millions au Québec. Et qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est que on répond à la mobilisation. Enbridge, vous avez fini de rire de nous autres. Comme c'est arrivé avec les expropriés de Mirabel, dont j'en suis, mon père qui a été victime, comme bien d'autres familles. Et aujourd'hui, on passe devant Mirabel et c'est le marteau piqueur qui détruit tout. Et là, on va encore plus loin en voulant détruire nos terres, notre eau et le vivre, bien vivre ici au Québec. C'est pas vrai qu'on va se laisser faire et c'est pas vrai que les Québécois vont se laisser humilier comme ça toute leur vie. Le mépris n'aura qu'un temps, comme on dit. Et ça, ça dépend aussi de chacun de nous que l'on aille mobiliser nos voisins, nos parents, tout le monde. Il faut prendre la rue, il faut crier contre les injustices, on ne le dira jamais assez. Merci à ceux qui nous ont fait un résumé extraordinaire, Jean, Patrice et tous les autres qui travaillent dans l'ombre, les belles pancartes, les enfants. Mais, comme on dit, c'est le commencement de la bataille et tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine.